Let's dance, 'cause tonight we're fire break. Hey, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale. Une petite nouveauté qui va se passer sur la chaîne. Vous aurez à voir cette petite série là pendant quelques temps je pense, hein, parce que voilà, j'ai envie. Et ça va faire un petit peu de changement aussi que du farming traditionnel. Donc pour le coup on est toujours sur Farming Simulator les amis, mais sur une version TP qu'on va se retrouver cette partir de cette semaine, donc du coup à partir d'aujourd'hui mardi. Pour le coup c'est normal, pour ceux qui ne le savent pas encore, qui viennent d'arriver, je fais des vidéos en avance, voire même des fois beaucoup en avance. Donc des fois il peut se passer beaucoup de choses en une semaine, vous avez la semaine suivante où voilà, il va se passer 5 ou 6 jours entre moi je tourne la vidéo et vous avez la vidéo. Donc pour le coup, voilà, donc pour ceux qui me suivent, qui vont regarder ces vidéos, qui m'ont suivi en live ces derniers jours ou en vidéo, non, j'ai pas encore reçu mon volant, je pensais l'avoir aujourd'hui, mais peut-être d'ici la fin de la journée, parce que là pour le coup pour moi il est 13h20, peut-être que je l'aurai enfin d'ici la fin de la journée, je sais pas, on va voir, ça m'étonnerait. Mais bon, j'ai enfin reçu un message de Amazon comme quoi mon colis était expédié, et bah du coup on va voir d'ici combien de temps je vais l'avoir. Donc pour le coup on va attaquer tout de suite par déjà acheter la map. Non, avec quoi? Il faut que j'achète tout là? Ah t'es sérieux là, il faut que j'achète tout ça? Oh la blague. Il faut que j'achète tous les chantiers en fait. Ou je suis pas obligé d'acheter les chantiers. C'est bon, on va voir. On va essayer, on verra bien. Donc pour le coup, on va peut-être s'acheter du véhicule. On est avec 500 000 euros. Donc évidemment, je commence en hard, les amis. J'aurais peut-être pas dû, mais bon, c'est pas grave. Merde, je vais peut-être vous présenter la map aussi, c'est bien, c'est une bonne chose. Excusez-moi parce que là j'étais au téléphone un peu avant, donc voilà, j'ai pas eu le temps de préparer grand chose. Donc du coup, on se retrouve sur la map de TP Pierrot V4. Donc du coup qui est disponible sur le site de, je vais vous dire tout de suite parce que j'ai gobé le nom, ouais, donc on se retrouve sur le site de Surfduck. Donc je vous mettrai peut-être le lien dans la description les amis pour aller faire un petit tour sur son site. Il a vraiment acheté vraiment très joli, très sympa, vraiment, franchement j'aime beaucoup naviguer dessus, c'est très très sympa. Je vous laisserai la surprise d'aller faire un petit tour dessus. Pour le coup nous on va continuer du coup sur la map. Donc voilà, on va travailler un peu dessus de temps en temps. Je vous cache pas que peut-être d'ici quelques épisodes on va encore changer de map, parce que voilà, pour l'instant les chantiers sont pas énormes, hein, il n'y a pas 50 000 chantiers à faire. Donc pour le coup voilà. Donc du coup on va commencer déjà par se préparer, déjà de quoi transporter le tout, nos cargaisons. Donc on va prendre un camtar qui coûte 289 000 euros, ça sent le crédit à plein nez, ça. Alors, du coup, la guirlande. Voilà, ça je trouve assez sympa. Voilà. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ah oui, d'accord. C'est la rampe qui est là, ok. Donc du coup, je vais pas vous présenter ce mode, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. Hop, donc du coup on achète 310 000 euros, ça fait mal au fion. Porte-char. Donc soit je prends la petite version ou je prends la grande version. Je crois que je vais prendre la petite version, je vais prendre celle-là. Je pense que c'est suffisant. J'ai pas de gros engins pour l'instant à porter. Donc voilà, on va se prendre de quoi excaver. Donc du coup je vais prendre le godet de. Déjà un godet 2000. Hop, pour faire du gros terrassement. Après, attends, j'ai pris un godet de combien? Ouais, j'ai pris le gros godet, ok. Je vais prendre le godet pour faire les tranchées. Et un godet à fond plat. Voilà. Donc pour le coup, je pense qu'en godet, pour l'instant, on a notre compte. Ce qu'on va faire, déjà, on va aller chercher une excavatrice. Si j'ai assez. Je pense que j'ai largement assez. Donc du coup on va se prendre l'excavatrice sur chenille. Donc pour ceux qui m'ont suivi en live hier, je l'ai déjà utilisé hier en live. Donc pour le coup, tout ce que cette pelle là je vais l'utiliser pour tout ce qui est chantier. Tout ce qui est chantier, des petits chantiers à la con. Que je vais m'en servir. Tous les petits chantiers que je vais trouver. J'aime bien ces petits giros là. Voilà. Les petits chantiers, donc des petits terrassements à faire. Est-ce que je l'ai acheté? Je sais pas. On la rachète une deuxième fois?
Oui, c'est bien ce que je disais, je l'ai acheté deux fois. Donc du coup, on va en vendre une parce qu'on a besoin que de une. Donc voilà notre petite pelle. Du coup, on va peut-être se prendre un crédit pour pouvoir acheter un tracteur, un bon tracteur. Parce que du coup, j'ai pu trouver des petits mods. J'en ai profité pour trouver des petits mods assez sympatoches. Bah, au pire, on va faire crédit max. Hein. Tac, tac, tac. Au pire, je pense que là, ça va être bon, 500 000 à mon avis. Ouais, 507 000, c'est très bien. Donc du coup, j'ai eu le temps d'aller faire un petit tour sur le site de Surfdog pour télécharger quelques mods. Donc il y a beaucoup de mods qui viennent de son site. Il y a pas mal de mods TP qui sont sur son site. Donc pour ceux qui aiment le TP, les amis, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son site. Il a une chaîne YouTube aussi, Surfdog. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son site. Vous tapez Surfdog. Au pire, normalement, il doit avoir un lien de sa chaîne sûrement quelque part sur le site. Je vous invite à aller jeter un oeil. Et bah pour le coup, voilà, moi je vais trouver des petits mods à droite à gauche sur les différents sites. Essayer de trouver des mods non buggés, pour le coup, ça serait bien. Pour le coup, on va peut-être prendre le MF. On va le prendre en roulage. Voilà, très bien. Hop, on va se prendre une benne pour évacuer la terre. Donc évidemment, je découvre cette map avec vous, les amis. J'ai juste fait un petit tour vite fait dessus pour garder un peu les différents chantiers qu'on pouvait faire. Mais ça s'arrête là. J'ai pas été voir plus loin. Excusez-moi. Donc pour le coup, j'ai trouvé une jolie benne. Donc là, cette benne Josquin en version TP. Donc on l'a en 22 et 19 000. Donc je pense que je vais la prendre en 22 000 parce que j'aime bien les ridelles en bois. Là, c'est vraiment très très joli. C'est une remorque qui est très très sympa. Donc du coup, on va l'acheter. Hop. Et du coup, on va regarder un peu tout ce qu'on a. Donc on a nos trois godets. On a nos trois godets. Notre tracteur routier avec le porte-char. On a la pelle et la remorque. Donc pour le coup, on va commencer déjà par attacher le camtar. Merde, c'est comment on fait pour enlever cette merde? C'est L0? Ouais, c'est ça. Donc du coup, déjà j'ai enlevé le starting go, parce que j'ai pas enlevé le starting go. Voilà. Enfin, j'ai pas mis le starting go pour le coup, parce que voilà. Donc évidemment les amis, comme je l'ai dit hier maintes et maintes fois, vous en faites pas, quand j'aurai mon volant, je vous oublierai pas. Donc bien entendu, je vous ferai une vidéo. Pour l'arrivée de colis, donc ça va être la première vidéo unboxing pour le coup. Même si cette vidéo ne sera absolument pas sponsorisée par la marque. Je tiens à le rappeler quand même. Parce que autrement. Pourquoi j'ai mon jack qui marche pas? J'ai aucun de mes jacks qui marche. Non. Me dis pas que. Oh putain! Pourquoi? Mais je crois que j'ai un bug. Ah non! C'est pas un bug. C'est juste que j'ai oublié d'activer le. Autant pour moi. J'ai cru que j'avais un gros problème. J'ai cru que j'avais oublié de faire le. De faire ce qui était nécessaire pour. Donc, alors pour le coup, on va se prendre un godet. Les autres, vu que je suis pas un as je suis pas un as pour prendre tout ce qui est outillage. Donc, du coup, on va essayer quand même d'en prendre peut-être un avec nous si on peut. Alors oui, le trigger pour atteler. Merde, putain. Il faut le trouver. Oh, bordel de cul. Voilà, et là, hop. Donc du coup, je vais prendre le godet. Je vais prendre le godet, mais je vais pas. Je vais les porter à la main pour l'instant. Parce que là, c'est un peu difficile. Et en plus, il y a des petits. J'ai remarqué qu'il y a des légers bugs de collision. Ça commence à trembler en tous les sens qu'on essaie de prendre un autre godet avec. Donc on va tout simplement pas prendre de risque, les amis.
Donc pour le coup, on va charger tout ça, on va se rendre sur un chantier. Donc le temps de vidéo, je sais pas du tout combien de temps que ça va prendre. Je pense que ça va pas durer, ça va pas excéder 30 minutes. Je pense que même 20, c'est même très bien. Donc pour le coup, vous aurez des petits épisodes comme ça sympatoches. Donc déjà pour le coup, ça fait déjà 10 minutes. Donc on va peut-être, voilà, cet épisode-ci, ça va être un peu de la mise en place. De la mise en place de l'outil, le transport. Et puis après, on va se retrouver pour faire pour le TP, pour commencer notre petit chantier. Parce que là, en plus, vu que je ne connais pas la map, je risque de mettre pas mal de temps à trouver la map. Donc ça risque. Par contre, je risque de couper les scènes. Certaines scènes, comme par exemple, si je mets 3 ans, si je mets 3000 ans à trouver la, à trouver. Si je mets 3000 ans à trouver. Attends, on va le mettre en mode compact. Voilà, on va la mettre en mode compact, comme ça, elle prend moins de place. Si je mets 3000 ans à trouver le chantier, voilà, j'ai coupé le moment où j'ai coupé un petit temps entre les deux quand je cherche. Et après, je le remettrai bien, bien évidemment au moment où, où je trouve le chantier, où je décharge les véhicules. Alors, pour le coup, déjà, on va mettre le camion, comme ça, ça m'évitera de prendre trop longtemps avec des godets. Donc oui, c'est vrai que ça fait pas, pardon, ça fait pas RP du tout les amis, mais bon, comme je suis un peu, je suis pas doué avec, pour l'instant avec la machine, j'ai déjà essayé hier en live, mais ça me prend un temps fou d'essayer d'en prendre déjà un, ça prend vraiment beaucoup trop de temps, donc voilà, je privilège la rapidité, histoire que voilà, on passe vite fait à autre chose, et que au moins, il y a quelque chose à vous montrer. Donc pour le coup, on est parti les amis, on va se retrouver, on va se diriger vers le premier chantier. On va se diriger vers le premier chantier. Donc pour le coup, vous connaissez bien ce porte-char. Hein, c'est le porte-char de base, bien sûr. Normalement, on n'est pas loin du premier chantier. Alors, on a celui-là, au pire. Je sais pas. Je serais tenté d'aller là. Ouais, pourquoi pas. Allez, allez, on va se mettre là, les amis. On n'est pas loin du magasin. C'est cool. Donc du coup, je vais me garer. Je vais garer mon camtar par là. En moins que je garde mon camtar. Ah non, parce qu'il faut que j'ai mon camtar, au pire. Bon, ce qu'on va faire, on va se garer là. On va se garer dans la cour hein, du client. Et pour le coup, je vais décharger la machine là, comme ça au moins je serai sûr du plat. Hop. Et du coup, l'objectif du jour, les amis, ça va être de creuser tout ça. Donc je connais pas du tout la profondeur du site. Donc on va voir combien qu'on a besoin de creuser. Donc vous voyez comme ça tremble. Donc oui, sur cette pelle, pour ceux qui l'ont pas vu, sur cette pelle vous avez plusieurs vues. Vous avez une vue progressive, donc une vue qui suit le godet en fait. Elle suit le godet pour voir à peu près à la longueur où vous allez. Et vous avez une vue classique, donc extérieure, et la vue interne normale. Hop, donc pour le coup, oula, on va éviter de se casser la gueule du porte-char. Voilà, on est bien descendu. On va faire demi-tour avec la pelle. Voilà. Donc pour ceux qui se posent la question, oui, je maîtrise quand même pas mal la machine. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à régler mes joysticks. De la façon à peu près réaliste. Donc pour le coup je suis, vu que j'ai déjà conduit pour le coup vu que j'ai, ah je crois qu'il va falloir acheter le chantier. Ouais, je crois que je vais sortir de là parce que ça sent un gros bug. Donc à mon avis, ouais, il n'y a pas une grosse profondeur à faire. Parce que quand je vais acheter, à mon avis, ça va faire du gros bordel. Donc évidemment, je vais pas pouvoir faire certaines choses qu'on peut faire habituellement sur certains endroits. 400 000. What, putain la vache. Bon bah on va remonter le prix encore hein. Donc on va voir sur la même zone si on a plusieurs terrassements à faire. J'espère pour le coup. Attends, bah déjà on va voir, on va essayer. Je vais essayer de creuser, ouais. Oui c'est bon. Donc oui, il fallait bien acheter. Il fallait bien acheter avant de faire quoi que ce soit. Donc pour le coup, hop.
On a de l'appel là pour l'instant. Le Camtar, on va aller le ranger. Dans Poco, on n'a pas encore d'entreprise hein, parce qu'on vient de démarrer. Voilà, c'est le camion entre guillemets, il est loué. C'est un transporteur, pardon, c'est bien aussi. Hein. Donc, du coup, on va essayer de le ranger quelque part par là quand même. Donc, à l'avenir, ouais, je pense qu'on va faire ça. On va s'acheter. Là, pour le coup, on s'est acheté de quoi travailler. Donc, après, on s'achètera une plateforme pour placer l'entreprise. Pour placer l'entreprise. Et pour le coup, on va grandir. Fur et à mesure, on va avoir des outils de plus en plus gros. On va faire des chantiers de plus en plus gros. Mais là, pour l'instant, on va se faire des petits chantiers. Donc pour grandir au fur et à mesure, donc la terre elle se vend sur la map de Fredo, donc c'est la map où j'étais hier soir en live. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir la rediff, elle est disponible. Donc c'est la map de Fredo. Je sais que sur sa map, la terre elle se vend, donc je pense que ça doit se vendre ici aussi, à mon avis. Donc sa map elle est sympa, je voulais pas faire la série sur sa map, même si peut-être que tout tard je reviendrai quand même sur sa série, sur sa map pour faire des vidéos, ça pourrait arriver. Mais là pour l'instant je me suis dit tiens, on va changer de map, comme ça vous permet de voir une autre map en plus de TP, et pour le coup, voilà. Donc du coup on est bien arrivé sur notre petit chantier, ça fait un quart d'heure, donc on a un petit quart d'heure pour travailler, donc je pense que c'est on a de quoi faire quelque chose de sympatoche. Parce que c'est là où je suis gaulé. Oui, c'est là où je suis gaulé. Hop. Donc du coup j'essaie de me mettre voilà, dans une position un peu sympathique. Hop, tac. Bon là évidemment il y a un trou, ça va me faire. Voilà. Donc pour le coup. Oula putain, où est la benne allée autant. Alors j'espère que je pourrai quand même l'atteindre. Alors pour le coup on va faire déjà une première tranchée. Donc je vais essayer de placer mon joystick comme je peux pour être le mieux à l'aise possible. Hop. Parce que sur mon bureau, c'est vrai que je manque un peu de place. Déjà j'ai même pas pris le bon godet. Déjà, j'ai même pas pris le bon godet. GG, t'as pas pris le godet de terrassement. Donc, on va aller le chercher. Donc, évidemment, on va pas sortir. Je vais le poser à côté, le godet, et puis on va aller le chercher à la main. Tranquillement. Voilà, on va toujours penser à gagner, essayer de gagner un maximum de temps. Hop, détacher le godet. Hop, on va le mettre par là, le godet. Je vais aller le chercher en vitesse. Donc moi c'est ce godet là que j'ai besoin. Hop, allez, roule bolide. Hi. Pan. Ça au moins c'est fait. On l'a remis un peu par là quand même. Voilà. Tac. Bon alors pour le coup on va peut-être pouvoir l'atteler. Ouais, on peut l'atteler. Donc super. On se remet en position pelle. Donc pour le coup ça c'est bon. On va pouvoir creuser tranquillement. Bon, c'est vrai que sur cette pelle-là, les triggers de terrassement sont pas très bons. On va dire qu'ils sont pas au millimètre. Après, il y a plusieurs. Après, j'ai plusieurs pelles, les amis. Donc, vous en faites pas, vous en verrez d'autres. Donc, suivant les chantiers qu'on fera ensemble. Attends, par contre, ouais, c'est chiant. Je crois que le tracteur, je vais le mettre de l'autre côté. Suivant les chantiers qu'on fera ensemble, donc on prendra une pelle évidemment adaptée au chantier, bien évidemment. On va éviter de flinguer le. Oula, je commence à m'embrouiller avec les touches, moi c'est pas très bon tout ça. Merde, putain, allez, ça commence à faire du n'importe quoi, chef. Hop, on va essayer de faire les choses comme on peut. Voilà. Bon, c'est vrai que j'ai un peu de mal encore avec mes axes. Bon, je me trompe pas trop parce que j'arrive encore à en deviner. C'est surtout la position que je veux mettre à l'outil que j'ai du mal. Après, mes axes, je les connais par cœur. Mais c'est surtout la position du côté que j'ai un peu de mal. Et je vous avouerai que je suis avec mon deuxième joystick. C'est un,
C'est une manette Xbox, les amis, donc c'est un peu galère. C'est un petit peu galère. Donc du coup, on va essayer de faire quelque chose d'assez propre. Hop. Pour le coup, je suis pas à l'aise parce que je vois pas dans quoi je vois pas comment que je baigne en fait, et ça c'est ça me rend assez mal à l'aise, j'aime pas trop ça. Donc après je pense que cette map là je la trouve vraiment assez jolie, elle est vraiment sympathique, on peut faire de l'agricole aussi, donc vous pouvez faire les deux, vous pouvez faire du TP de l'agricole. Merde, putain, Bruki. Oh. Non mais yo. Vous pouvez faire de l'agricole et du TP, donc vous pouvez faire un peu des deux. Et ça je trouve ça assez sympatoche. Oh bah je crois que l'appel elle est tellement grande. Elle est tellement assez grande pour ce chantier là que je peux prendre toute la largeur du chantier. Donc là, ça va être un boulot qui va être très vite fait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc, évidemment, donc c'est du coup, c'est cette série-là qui va remplacer le forest et boulet, les amis. Donc, vous aurez, pour l'instant, vous n'aurez plus le forest, vous aurez plus. Pour l'instant, vous n'aurez plus le forestier parce que voilà, je pense que j'ai fait le tour avec le forestier. J'ai fait un peu le tour, donc je pense qu'on va pouvoir changer. On va pouvoir changer un petit peu. Voilà, c'est mieux quand, quand le machin est à côté. Il est en visu. On va reculer un poil. Donc je pense qu'on a fait le tour. On a fait à peu près le tour. On a fait à peu près le tour avec, avec le forestier, donc voilà, je me suis dit tiens on va changer, vu que j'ai pas trop de sous pour acheter un autre jeu pour l'instant, je me suis dit bah tiens du TP vu qu'on m'en a réclamé, vu que vous étiez quelques-uns à me réclamer, vous étiez quelques-uns à me réclamer à faire du TP sur farming, donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas, ça pourrait être intéressant à faire, j'en ai jamais fait. Sur 19, j'en ai jamais fait, j'ai jamais testé les machines, donc je me suis dit bah ouais, ça pourrait être intéressant à faire. Ça pourrait être assez intéressant à faire quand même. Donc du coup voilà, donc j'espère que cette série va vous plaire, les amis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, lâcher votre petit commentaire si vous avez des suggestions à me faire, notamment sur des mods que vous aimeriez voir. Putain, je fais du n'importe quoi. Des modes que vous aimeriez voir. Je vais peut-être essayer d'approcher la machine. Des modes que vous aimeriez voir. Que vous aimeriez voir sur la série. Et du coup, voilà. Donc voilà, après voilà, le massé c'est un mode, il est sympa aussi. Bon la Josquin, je la trouve assez sympa. Assez sympathique. Bon du coup les amis, bah, je pensais avoir plus de temps que ça, mais en fait non, ça passe très très vite, ça fait déjà 23 minutes que je vous parle, donc ouais 25 minutes max, je pense que c'est très bien, chaque chose en son temps. Après, je sais pas trop comment que ça allait, comment qu'on va tourner ça, si voilà, je fais des petits chantiers à droite à gauche, ou alors je finis en off, hein, mais j'ai pas trop envie, j'ai pas trop envie, donc voilà, je pense que faire un peu de pelle. Enfin, de la pelle, etc. Je pense que il n'y aura que ça de toute façon, quasiment pour l'instant. Donc, du coup, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour les notifications si vous, vous voulez savoir quand je suis en live et quand une vidéo sort. Le petit pouce bleu qui veut bien le commentaire, et bien évidemment. Et puis, sur ce, moi je vais vous dire salouche. Let's dance, cause tonight